Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Karasu Cosplay, cosplayeuse canadienne de la ville de Québec au Canada. Aujourd'hui, je suis avec vous pour le cosplay d'imaginaire. J'ai osé une petite ruse pour enlever le masque, mais c'est de pas chut. Donc l'imaginaire est là, on cache mon visage comme ça, c'est con. Donc aujourd'hui, c'est le retour du cosplay d'imaginaire en présentiel, je suis vraiment contente. J'ai mis le micro à l'intérieur du manteau. J'espère qu'on va entendre mieux parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est très bruyant en centre commercial. Donc, voici le cosplay d'imaginaire 2021. Nous sommes le 28 août 2021. Il est présentement 11h du matin. Donc, aujourd'hui, je vais avoir une entrevue cosplay à vous présenter avec Dark Carnival Butler. Dès qu'elle sera sur place, aujourd'hui, elle sera en Hinata de Naruto. Moi, je suis en Itachi. Fait que ça donne vraiment bien. Donc, je fais même aussi pour ne pas me faire pogner par les agents de sécurité. Ça me tente pas. Je fais juste dire que je prends des photos. Fait que c'est crédible. Oui, je suis grave, je sais. Mais c'est pas beau dans les vidéos, le masque. Pour l'instant, les gens sont pas beaucoup arrivés parce qu'il est tôt, il est 11h30 du matin. Mais je pense qu'ils ont dit qu'il y avait d'autres des gens en bas avec les kiosques. Fait, je vais aller voir ça tantôt. Pour l'instant, je fais mon petit opening ici. Il y a un peu de gens, il y a plusieurs cosplayers quand même. J'ai vu plusieurs cosplays. J'ai vu un Naruto tantôt. On s'est salué. Puis il y a au moins deux ou trois personnes qui ont reconnu mon Itachi. Ça, c'est vraiment cool. Il y a toutes sortes d'ateliers. On a un atelier ici qui parle pour faire du craft de Eva Foam cosplay. J'ai vu qu'il y a un truc qui avait un bouclier. Donc d'autres cosplayers arrivent, j'essaie de pas trop filmer les gens parce que je peux flouter les visages, mais ça me tente pas. Donc aujourd'hui, c'est probablement la dernière fois que je mets mes Itachi Sharingan parce qu'ils arrivent au bout de leur vie. Ça fait un an depuis deux semaines. Il va falloir que j'en rachète d'autres parce que j'attends encore que ma prescription soit disponible sur Pinkie Paradise, ce qui n'est pas encore le cas parce que j'ai une prescription méga lourde de moins 8 et moins 7. Il y a juste moins 7 pour l'instant, il faut que j'attende encore. J'espère pouvoir les avoir pour le Comic-Con de Québec. Parce que plus que j'étire, moins c'est sécuritaire pour mes yeux et je veux pas risquer d'avoir une conjonctivite. Non. Petite couette d'Itachi. Tiens. Petite couette d'Itachi, c'est vraiment important. Comme ça. Oui, je suis perfectionniste, je sais. Mais c'est pour sauver que mon chandail baisse pas encore parce qu'il baisse tout le temps, le maudit, parce que la ceinture elle remonte comme ça. Colin! Il y a des cosplayers encore là-bas. Il y en a d'autres qui remontent. Bon, je vais remettre mon masque, vite! Donc, je suis dans un autre corps en ce moment, j'ai l'imaginaire en face de moi ici. Je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Donc, j'ai fait quelques achats aujourd'hui. C'est l'imaginaire, j'ai trouvé une petite figurine de Sasuke ici. Belle figurine de Sasuke comme ça. De Bandai. Elle va bien aller avec ma figurine d'Itachi. Donc, parmi mes achats, il y a aussi cette belle tasse de Fullmetal Alchimiste. Donc, j'ai acheté ça ici, c'est un bandana. Tu vas-tu survivre? La tasse de Fullmetal Alchimiste avec la figurine de Sasuke pour l'instant, c'est tout ce que j'ai acheté. Merci. Donc, la mascarade est sur le point de commencer. Elle commence à 3h. Je pense que ça va être à l'étage en bas ici. Mais je sais pas, il n'y a pas encore de gens. En tout cas, j'en ai pas vu. Sinon, ça, c'était mes achats. C'est une journée très tranquille. Ça fait plusieurs heures que je suis ici déjà. J'ai amené une de mes amies qui est en Mia, c'est ça? C'est quel univers celle-là? Sky. Sky, c'est un manga? Oui. De skate, là. Un univers de skateboard? Ouais, de skate. En tout cas, c'est un très beau cosplay. Il y a plusieurs personnes qui t'ont reconnu. Oui. Les gens qui ont vu le CMV Sasuke vont reconnaître mon amie qui est justement, c'est elle. Alors Sasuke, là c'est aujourd'hui, c'est Mia. Je ne peux pas le mettre papier à Yamaguchi encore. J'arrête pas de taper Yamaguchi depuis le matin, là. Ça fait pitié, mon affaire. Bon, c'est pour une photo pour l'instant. J'ai pas vu de photographe. As-tu vu des photographes, toi? Non, là, pas. Non. Pas vu de photographe? Ouais, peut-être. Je vais parce que c'est la seule exception. Je fais exprès de dire photo pour pas enlever mon masque parce que tantôt, j'ai vu une agence de sécurité. J'ai eu la chienne un peu. J'ai tenu un agent de sécurité. Non! Parce que c'est beaucoup plus beau une vidéo sans masque. Vous conviendrez. Mais je l'ai mon masque, évidemment, là. C'est juste qu'il est sur le trépied, vous le voyez pas. Sinon, qu'est-ce que t'as pensé du CMV? T'as aimé ça, je pense? Oui, vraiment. J'ai adoré. En plus, les Pinafontaine, c'était vraiment agréable. Oui. Je me suis mis les Pinafontaine aussi. Il faisait assez chaud, en plus. Ça nous a ouais, c'était le 17 bien. Juillet, ouais. Oui. Comme je dis, il y a une amie ici, il y en a une autre en arrière, mais elle ne veut pas se montrer, je respecte ça, c'est correct, oui. C'est mon clone d'Itachi, mais elle est cachée derrière la caméra. T'as le droit, je respecte ça. Respecte ça quand même, là. Je ne peux pas apparaître des gens qui veulent pas quand même. J'apparais ceux qui veulent bien parce que ça me tente pas de flouter les visages. Ben, je vais le faire s'il y a des gens qui passent, mais je veux dire que, en tout cas, je préfère toujours demander si c'est mieux.
Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker et vous abonner. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Au revoir, Johnny.